Mon matériel est prêt! C'est l'heure de la créativité, bébé! Oups! Attends! Une seconde de plus! Oui, bien mieux! Bienvenue! Aujourd'hui, c'est notre grand examen de couture! Ouais! Excitant! Miles, lève-toi! Moi, d'accord? Bonne chance! Tu es prêt pour ça? Choisis un matériau! Non, non, pas celui-là! Sérieusement? Pense-y! Choisis très soigneusement! C'est difficile! Tu n'as qu'à choisir celui-ci! Ouais, d'accord! Ouf! Très bien, Miles! Tu es capable! Oh, merci! Le temps presse! Bien sûr! Qu'est-ce que vous diriez de quelque chose comme ça? Ou quelque chose avec toutes les couleurs? Je ne sais pas! Je ne peux pas décider! D'accord, on se concentre! Pas de rose! Hein? Pas d'orange! Ah! Oh là là! Il perd la boule! Ouf! J'en ai assez vu! C'était à peine moyen! Moyen? Tu me mets en doute! En fait, c'est un échec total! Va-t'en maintenant! D'accord! Oh mon Dieu! Tu as au moins essayé? Est-ce que je suis la prochaine? Ah, ton tour, Julie! Moi? Je vais réussir! C'est ce que tu penses! Maintenant, choisis ton poison! Prends ton temps! Certainement pas celui-ci! J'ai une meilleure idée! Tout d'abord, les mesures! Pas mal! Maintenant, je peux choisir! J'aime celle-ci! Mais j'ai du travail à faire! Vous voyez toutes ces cravates? Je vais toutes les coudre ensemble! Maintenant, je passe un joli ruban à travers elles! Et je le lace deux devant! C'est beau, n'est-ce pas? Une jupe entièrement faite de cravates! N'est-ce pas merveilleux? Et elle me va comme un gant! J'ai fini! Bravo! Il ne reste plus qu'une chose à faire! Te donner un A! Ouais! Ouais! Quoi? Pas possible! Très bien! Mais attends! Je dois la reprendre! Ah, d'accord! Si vous insistez! Pourquoi je n'y ai pas pensé? D'accord! Tenez! Merci! Au revoir! Au revoir! Quoi qu'il en soit, voyons voir! Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Ce n'est pas sa taille? Ah, peu importe! Allons! Oh, c'est tellement mignon! Qui c'est? À qui tu parles? Un garçon peut-être? Peut-être! D'accord, regarde ici! C'est mon petit ami! Tu veux dire mon petit ami? Oh, je ne pense pas! Il va juste devoir choisir! D'accord, ça marche! Arrête de menacer! Je vais devenir plus belle! Nous verrons bien ça! Qui pourrait résister à des lèvres rouges? Tellement jolie! Ah, vraiment? Attends une minute! Je peux faire mieux que ça! Je vais opter pour du rose! Tu vas voir! Une moue rose est bien plus à la mode! Personne ne porte plus du rouge! Sympa! Ces boucles d'oreilles correspondent à mes lèvres! Hé! Elle a les mêmes? Elles sont plus mignonnes sur moi! Et celles-ci sont plus mignonnes sur moi! Il faut avoir un serre-tête! Oh! Laisse tomber! J'ai besoin de quelque chose de différent! Comme ça! N'est-ce pas tout simplement adorable? En plus, ça va avec mon sac à main! Trop mignon! Regarde mon sac! Oh! Elle l'a aussi! Oh! De toute façon, le violet est bien meilleur. Oh non! Nos tenues aussi sont assorties! Sérieusement? Oh mince! C'est juste un cauchemar! Maintenant, qu'est-ce que je fais? Regarde ta chemise! Oh, c'est nul! Au revoir! Je ne peux pas porter ça! Ou peut-être que si!
Tout d'abord, découpe une forme de cœur. Ensuite, utilise de la colle chaude tout autour de sa bordure. Avant que ça ne sèche, rassemble toutes tes paillettes préférées. Maintenant, place-les soigneusement sur la colle. Ça commence vraiment à prendre forme. On peut en mettre ici aussi. Waouh, vraiment unique en son genre. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Je ferais mieux de me dépêcher. Et vite! Oh, attends-moi! Burke, où tu as trouvé ce haut? Je ne te le dirai pas. Oh. Ralentis! Les voilà! Je pense que tu veux dire qu'ils sont jumeaux? Hey! Eh bien, je suppose que tout va bien! Salut! Oh, waouh! Elle est magnifique! Et moi, j'ai l'air, eh ben, disons, moi, magnifique. Dommage. Oh, elle a l'air toute triste ou nette. Hey, je crois savoir ce qui pourrait lui remonter le moral. Je vais très certainement avoir besoin de ces ciseaux. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu commences à me faire peur? Non! C'est parti! Ne bouge pas, je vais faire quelques arrangements. Il suffit de découper au niveau des coutures. Et voilà, je suis géniale. Maintenant, on retire les manches. Waouh, sacré changement! Mais nous n'avons pas encore terminé. Oh, mes lunettes! D'accord, je vais les enlever. Après tout, mieux vaut être jolie qu'y voir clair. Enfin, je vais étirer un peu le tissu au niveau des coupes. Et voilà! Coucou, j'ai apporté le jus de fruits comme prévu. Et moi les gobelets. Mais ce n'est pas tout, tu vas voir. J'ai aussi apporté cette délicieuse pâte à tartiner. Miam, j'adore ça. Moi aussi. Tu sais quoi, on va l'ouvrir tout de suite. Oh, regarde tout ce délicieux chocolat. J'en étale bien partout. Et voilà, tiens, c'est pour toi. Génial, merci beaucoup. Il va me falloir une serviette pour manger cette tartine. C'est tellement bon. Merci. Pas de quoi. C'est ce que font les amis. Je vais m'en faire une aussi. Ah! Oh non! Je m'en suis mis partout. Oh non! Tiens, prends ma serviette pour essuyer. Super, merci. Oh, j'espère que ça va marcher. C'est encore pire. Le chocolat s'est complètement étalé. Oh mince! On doit pouvoir trouver une solution. Oh, regarde! On va se servir de mes rubans. Je ne vois pas bien en quoi ça réglait le problème. Fais-moi confiance. Allez, retire ton haut et retourne-le. Bien, maintenant on va passer les rubans. Je vais les glisser par les bretelles, comme ça. Ben, tu es prête? Maintenant, passe le ruban au-dessus de ta tête. Parfait. Bon, mais ce n'est pas terminé. Je vais reprendre les extrémités du ruban. Je les fais passer à l'intérieur du top. Même chose de l'autre côté. Oh, j'ai compris! Je peux me débrouiller à partir de là. Je n'ai plus qu'à l'attacher dans le dos. Hey. Salut les filles! On est venus pour le pique-nique. Ouf! On a sauvé ta tenue de justesse. Waouh! Ton top est vraiment sympa. Oh, merci! Allez-y, servez-vous. Il y a plein de choses à grignoter. Voyons voir. Waouh! J'adore cette tenue. Oh non! C'est beaucoup trop cher. Je vais quand même vérifier. Non, je n'ai plus un sou en poche. Et dans l'autre? $1. C'est toujours mieux que rien. Bon, tant pis. Je vais me débrouiller. Non, pas ça. Pas ça non plus. Certainement pas. Oh, te voilà. C'est exactement ce que je cherchais. Oh non, détroué! Comment est-ce que ça a pu arriver? Comment est-ce que je vais faire? Oh, j'ai une idée. Je prends mon pantalon troué et une paire de ciseaux et je vais faire quelques découpes en commençant par ici. Il faut faire bien attention à couper droit et propre. Parfait. Ensuite, je le tourne et je le découpe dans l'autre sens. Voilà le trou. Je vais découper tout autour. Et voilà, j'ai transformé un pantalon troué en un top super mignon. Je suis un génie. Vous savez quoi? Je crois que je vais prendre un selfie. Cool. Une bonne musique et de la peinture. Et c'est parti. Yeah, je kiffe cette couleur. Ça claque. Encore un peu de ce côté. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Je vais lui mettre un message. Bon, je suis là, je t'attends. Oh non! Ce n'est pas possible! De la peinture fraîche! Oh non, je n'y crois pas! J'ai de la peinture plein la main maintenant! Pas ça! Oh non! Mon pantalon! Je me suis assise sur de la peinture fraîche! C'est horrible! Pourquoi est-ce que c'est toujours à moi que ça arrive? Comment est-ce que je vais faire? Peut-être que ça s'en va! Je vais déjà essayer de me nettoyer la main. Ça ne fait absolument rien! Peut-être que sur le tissu, ça va partir! C'est fichu! C'est la pire chose qui me soit jamais arrivée!
Yeah, ça commence à devenir intéressant. Je vais continuer. Hein? On dirait que cette fille est en train de pleurer. Oh, la pauvre, elle me fait de la peine. Elle a l'air sacrément triste. Oh, et je pense que je peux t'aider. Qui ça? Moi? Il n'y a que toi et moi ici. Allez, approche. Eh bien, de toute façon, je n'ai rien à perdre. Oh là, doucement, arrête de pleurer. Tiens, prends ça. Oh, Berg. Oups, désolé, voilà un vrai mouchoir. Ah non, laisse-moi, tu ne m'aides pas du tout. Attends, j'ai promis de t'aider à résoudre ton problème. Ne bouge pas, je vais repeindre ton pantalon. Ok, maintenant tourne-toi, s'il te plaît. Ça rend super bien. Hop, je pulvérise de haut en bas. Je vais mettre un peu de jaune sur les côtés. Oh, c'est super beau, je vais faire l'autre côté. Oui, encore plus de peinture, partout. Je ne crois pas mes yeux, c'est absolument magnifique. Avec grand plaisir, je suis assez satisfait du résultat. Wow. Attends, je vais te donner quelque chose pour ton travail. Wow, merci beaucoup. Salut. Je ne reviens pas de la somme qu'elle m'a offerte. Hey, désolée d'être en retard, je suis là maintenant. Oh, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Viens, on va faire un petit détour avant d'y aller. Oh, te revoilà. Regarde, j'ai fait une nouvelle pancarte. Relooking 10 $. Ouf, il fait un temps affreux aujourd'hui. Bonjour madame, voici notre carte. Merci. Nom d'un chien. Il est assis juste en face, tout seul. Il regarde par là, je vais lui faire un petit coucou. Oh, qu'est-ce que... Est-ce que j'ai un truc sur le visage? On dirait que le coup de foudre n'est pas réciproque. Oh, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Ses cheveux sont magnifiques. Quoi? C'est ça son style de fille? Oh, je crois bien que c'est l'un de mes plus beaux gâteaux. Oh, on dirait que je vais avoir une nouvelle commande. J'arrive. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous désirez? Waouh, vous portez bien le rouge. C'est ma couleur préférée. Oh, eh bien merci, c'est gentil. Vous avez fait votre choix? Oui, je vais prendre ça, s'il vous plaît. Est-ce qu'il vient bien de dire que le rouge est sa couleur préférée? Je ne porte rien de rouge sur moi, ni dans mes cheveux, ni sur mes vêtements. Ce n'est pas juste, comment aurais-je pu deviner? Elle a toute son attention seulement parce qu'elle porte un tablier rouge. Elle est en colère contre moi juste parce que ce gars flirtait avec moi? Peu importe, voilà pour vous. Bon appétit. Je n'arrive pas à le croire, ce n'est pas juste. Monsieur, voilà votre commande, tenez. Super, ça a l'air délicieux. Tous mes légumes rouges préférés dans la même assiette. Bon appétit. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il ne mange que des légumes rouges? Oh non, une autre fille. Et elle porte du rouge. Elle aussi, je la trouve belle. Tout ça parce qu'elle porte du rouge? Attendez, peut-être que je pourrais. Ou alors je pourrais. Ça y est, je crois que j'ai trouvé la solution. Voyons voir, de quoi est-ce que je pourrais me servir? Oh, mais bien sûr, mon parapluie rouge. Il me suffit de l'ouvrir. Eh bien, il est temps de fabriquer une jupe à partir de ce parapluie. Waouh, j'adore la forme et la couleur est éclatante. Oh, il regarde par là. Salut, comment ça va? Waouh, il faut que je lui offre cette jolie rose tout de suite. Cette rose me fait penser à toi, car tu es adorable. Oh, merci beaucoup. Ça te dirait qu'on aille faire un tour? Hein? C'est quoi ça? Un parapluie ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce que je suis censée faire de ça, moi? Oula, je commence à m'endormir. Il est l'heure d'éteindre. Une bonne nuit de sommeil me fera le plus grand bien. Hein? C'est mon téléphone, ça? Où est-ce qu'il est? Ah, le voilà. Qu'est-ce qui m'appelle? Allô? Coucou, je suis à une fête et c'est trop bien. Rejoins-nous vite. On a tous envie que tu sois là. Oh, je suis épuisée. Oh non! Quel jour on est? Oh non, je n'y crois pas! C'est aujourd'hui qu'a lieu la fête de l'année! Comment ai-je pu l'oublier? Qu'est-ce que je vais mettre? Ça devrait aller. Bien, laissez-moi me jeter un petit coup d'œil dans le miroir avant d'y aller. Hey, salut Penny! Je suis là! Salut tout le monde! Désolée pour le retard! Chérie, c'est quoi cette tenue? Oh, on n'avait pas dit qu'il y avait un dress code à cette soirée? Drôle de choix, mais bon... Quelle horreur! Il ne faut pas que mon objectif voie ça! Bon, je suis désolée de te le dire, mais ta tenue, ça ne va pas du tout! C'est un peu trop mignon! Il faut vraiment que tu te changes! Je n'arrive pas à croire que je me sois trompée à ce point! Je dois bien avoir quelque chose pour arranger ça! Non! Aucun de ces nœuds ne va! Ils ont tous le même style! Plus de serre-tête à l'oreille!
trouvé! J'ai ces deux pinces! Oui, je suis certaine que ça va marcher! Je vais enlever mes tresses! Et voilà! Effet coiffé, décoiffé! Maintenant au boulot! Bien, vous êtes prêts? C'est parti! Je vais juste relever mes cheveux et mettre la pince comme ça. Puis je passe mes cheveux autour et je replace la pince. Et voilà! Ensuite, je passe les cheveux par-dessus. Et je mets quelques pinces pour que ça ne bouge pas. Et voilà! Tout est en place et rien ne bouge! Génial! Bon, maintenant, il faut faire l'autre côté. Et voilà! Plus de serre-tête à l'oreille à partir de maintenant! Hé, Penny! Me revoilà! Oh, waouh! J'adore ce que tu as fait avec tes cheveux! C'est incroyable! Je n'arrive pas à croire que tu aies réussi à faire ça si facilement! Waouh! Regarde-la maintenant! Ses cheveux sont tellement mieux! Oh! Il faut absolument que je prenne une photo d'elle maintenant! Oui, allez-y! Prenez-nous en photo toutes les deux! C'est si rafraîchissant! Attends, où est-ce qu'elles ont trouvé ces jolis vêtements? Je me sens tellement ordinaire. Mais ça peut changer. Au revoir les bas de maillot de bain. Hein? Je ne rêve pas là. On se détend, ce n'est pas si grave. Un peu de créativité en action. Joli, non? Et on fait la même chose avec un autre. Par-dessus la tête. Et boum! Un tout nouveau haut. Simple? Non, pas cette fille. Ok, il faut qu'on essaye ça. Hé, attends! Comment t'as eu cette idée? C'est génial! Hé! Ça va? Oh, waouh! Tu veux du thé? Je t'en offre un. Oh, un message de Mathieu! Oh non! Il veut qu'on se voit aujourd'hui? Cool! Mais d'abord, une tenue! Oh, bonjour! Tu cherches des vêtements, n'est-ce pas? J'ai un rendez-vous, tu comprends? Ah! J'ai quelque chose de parfait pour toi! Horrible! Et ça? Vraiment pas moyen! Maintenant, va essayer ça, ok? Eh bien, c'est charmant, non? Une tenue simple et modeste. Et que serait une tenue parfaite sans perles? C'est vraiment nécessaire, maman? Oh, ça ne va pas du tout! Oh! Tiens-toi droite! Oh! Ils grandissent si vite! Oh! Saleté de perles! Je suis couverte de la tête aux pieds! Je sais, moins de tissu, c'est mieux. Et je vais dire beaucoup moins dans ce cas. Hé, laisser voir un peu de peau serait une bonne idée. Oh, c'est tellement mieux. Et plus de manches. Ou de chemises longues d'ailleurs. Ok, maintenant que le soutien-gorge est en place, on relève les manches. Sympa, non? Mathieu? Tu m'as reconnu, n'est-ce pas? Pas trop. Mais est-ce que c'est la même personne? Et alors? Oh, eh bien, je me suis bien fait avoir. Salut, Gina. Prête pour notre rendez-vous? Attends une minute. Vous êtes deux? Hé, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, c'est ce que je pensais. Oh, je suis plus que soulagée. J'aurais dû te prévenir que j'avais un jumeau. Ouais, mais tout va bien finalement. Waouh, regarde ça! J'ai une bretelle qui dépasse, mais peu importe. Ouch! Ça fait bizarre. Hé, je suis contente de te voir, Stacy. Oh-oh! Aïe! Je suis désolée. C'est bon, ça va. Oh, salut! Est-ce qu'elle va bien? Hey, j'ai voyagé dans le temps ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette bretelle me cause des soucis. Ah, je préfère le look sans bretelle. Mais comment? Oh, c'est juste une petite astuce, mais ça marche. Il suffit de prendre la bretelle et de l'accrocher juste à côté de l'autre. Tadam! Problème résolu! Merci! Mais attends! Hé, hey, tu peux m'aider? J'arrive! Oh, alors, on vient me chercher.
Eh bien... Waouh, je dois y aller. Voilà, ça devrait le faire. Oh, quel voyage. Mais je suis de retour. Et sans cette horrible bretelle. Ferme les yeux. Ne regarde pas, d'accord? Waouh. Et ça? Oh, non, tu n'as pas fait ça. J'y crois pas. Tu ne vas jamais me croire. Au revoir. Pas de baiser. Même pas un merci. Waouh, cette voiture est vraiment incroyable, n'est-ce pas? Allons l'essayer. Oui, plus vite. Un selfie pour Instagram. Oh, les yeux sur la route. Joli. Et regarde ça. Bon, on va dire que ça va. Chouette. Super. Oh non, c'est intense là-haut. Attends, mon pullover glisse. Non. Je l'ai perdu. Oh, j'ai rien sur moi. Attends, tu dois t'arrêter. Prends une grande respiration. Laisse-moi réfléchir. Bien sûr, tu n'as qu'à utiliser mon bandana. Oh, ok. Ça peut marcher. Tout est dans l'art de bien plier. Attache le triangle autour de ta taille et assure-toi que le nœud est bien serré. Puis, tu retournes le triangle comme ça et tu le glisses dans ton collier. C'est mignon, n'est-ce pas? Waouh! Trop joli! Maintenant, allons-y. Mais d'abord... Ah, ok, tu peux conduire. Maintenant, on peut y aller. Je me sens déjà beaucoup mieux. Rien de tel que de sentir le vent dans ses cheveux. Non! L'arbre! J'aurais dû garder les clés. Oups, c'était un accident. Désolée. Oh, zut! Salut! On a besoin d'aide. On a eu un accident. Quoi? Mais vous allez bien? Ouf! Oh, au moins, mon maquillage est resté en place. Waouh, elle sort, regarde! Merci, merci. Incroyable comme elle chante bien. Elle vient de me faire un clin d'œil, là. Levez les mains, tout le monde. On s'amuse tellement. On s'en souviendra pour toujours. Excusez-moi, je peux aller là derrière, s'il vous plaît? Hé, mon jean! Regarde ce que t'as fait. Oh, zut. Et c'est ma paire préférée. À moins que... Ma chaîne. Je m'en occupe. On égalise bien les deux jambes. Et on utilise des ciseaux pour aller couper ici. Sur toute la couture extérieure. Voilà, on s'arrête là. Maintenant, on prend cette attache et on la glisse ici. Une fois qu'elle est en place, tape dessus avec un marteau. Enlève le couvercle et nous voilà avec tous ces trous. Il faut passer la chaîne à travers. Et c'est fait! Tadam! Est-ce qu'elle aime les fleurs? Bizarre son pantalon. Je suis d'humeur généreuse aujourd'hui. Et voilà! Oh. Oh mon Dieu, merci! Waouh, super ton short! Il attire l'œil, n'est-ce pas? Finalement, ce fut un heureux accident. Wouhou! Incroyable! On est venu le bonjour, on dirait. Ces chaussures sont en solde. Quelle merveilleuse journée! Hé, ta glace! Oh non! Qu'est-ce que tu fais? Ne pleure pas, ma chérie. Oh, mon Dieu. Oh, tu aimerais avoir ces chaussures? Non! Oh, je sais pas quoi faire, alors. Attends, je crois que j'ai une idée. J'ai juste besoin d'un peu d'aide. D'abord, mets une bonne dose de crème chantilly. Mais au lieu de la manger, ajoute de la peinture. Oh, ça a l'air génial. Waouh, cool.
J'ai gardé la meilleure couleur pour la fin. Et hop, on la verse. Tu ne pensais quand même pas que j'avais fini, n'est-ce pas? Recouvre bien les côtés aussi. Attends de le voir terminer. Après que les couleurs aient marqué un temps de pause, trouve une serviette et essuie bien les chaussures. Voilà, c'est magnifique! On dirait presque de la teinture tie-dye. Qu'est-ce qu'une maman ne ferait pas pour son enfant? Tous les enfants adorent! Merci, maman! Elles sont trop belles! Ma maman est unique en son genre, tout comme mes chaussures! Adieu les chaussures d'intérieur! Et bonjour les chaussures d'extérieur! Voyons voir! Celle-ci, c'est vraiment la dernière saison! Que pensez-vous de cette paire? Oh, certainement pas! Non! Burke! Qu'est-ce que c'est que ça? 2019? Oh, mon pistolet à colle! Maintenant, on parle! Mais d'abord, j'ai besoin d'un moule! Mes orteils ne sont-ils pas mignons? Regardez-les! C'est maintenant que les choses sérieuses commencent! Commencez à verser de la colle sur les orteils! J'ai choisi les paillettes dorées! Ma couleur préférée, évidemment! Une fois qu'il est sec, faites-le glisser! Des orteils en or, ça vous dit quelque chose? Et ils sont uniques en leur genre! Tout comme moi! Ah, sortez! Hein? Waouh! De nouvelles chaussures! D'accord. J'adore les mélanges et les associations. Elles sont aussi à ma taille. Mais je peux les rendre encore meilleures. On peut encore voir le talon. Adorable! Et ils n'ont rien coûté. Yay! Tu n'aimes pas mes nouvelles bagues? J'aime toujours me faire plaisir. Waouh! Je ne me lasse pas de l'or. Waouh! J'adore collectionner les pièces anciennes. Cette montre, c'est la chose la plus chère ici. Quoi? Est-ce qu'il essaye de dire quelque chose? Je ne comprends pas. Hein? C'est une lettre. Je me demande ce qu'il dit. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Je pense que c'est pour un défilé de mode. Vous avez raison. Et alors? Nous devons partir! D'accord. Mais d'abord les accessoires! Je n'ai rien de tel. Est-ce que ce sont tous des créateurs? Je n'ai même pas de sac à main. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Non. Et ici? Waouh! Ellie a des culottes de grand-mère. Je sais. Wedgie! Hé! Hey! Ouh! Je les ai eues! Oh! Que s'est-il passé? Ouais, c'est l'heure de la conception. Mais d'abord, il faut découper la partie centrale. C'est plus hygiénique. Parfait. Et comme ça, c'est un top. Sunny? Qu'est-ce que c'était? C'est mon nouveau crop top maintenant. C'est vraiment très mignon. Je me sens inspirée. Moi aussi, je change les choses. Regardez ce que cette ceinture peut faire. Voici comment je l'ai mis. Il faut tendre et attacher avec précaution. Ensuite, passez-le ici et ici. Il ne reste plus qu'un nœud. Nous y voilà. De quoi ai-je l'air? Waouh! C'est incroyable! Il te va à merveille! Je sais, sortons d'ici! Oh là là! Souris! Je peux m'y habituer! Bisous! Ensuite, tu transportes les deux ici. C'est ainsi que l'on détermine X. Hé! Oh. Hey, un concert de rock! C'est ce soir! Regarde, il faut qu'on y aille! Waouh! Préparons-nous! Attends un peu!
Je dois porter mes cerceaux. Et mon diadème, bien sûr, parce que je suis une princesse. Une princesse féroce. Tout à fait. Attends. Il faut se débarrasser de cette brillance. Choum! Oh non! C'était intense. Ouais, c'est vrai. Oh non! Ce n'est pas bon. Ouais, c'est plutôt dégoûtant. Attends. Regarde, mets-le. D'accord. Je ne sais pas ce qu'il en est. Retourne-le. Oh, d'accord. Comme ça. Vraiment? Maintenant, tire. Oh, d'accord. Comme ceci. Waouh, c'est super chic. Tu aimes? Ça déchire. Eh bien, je suppose que je vais porter ça. C'est dommage. Je ne serai jamais assez cool pour ça. Mais tout espoir n'est pas perdu. Besoin de transformer une chemise ordinaire ou une chemise cool? Il suffit de repasser sur un graphique cool. Le papier ciré fonctionne très bien. Il suffit de le décoller pour qu'il soit prêt à fonctionner. Cool, non? Je pense que oui. Ouais, c'est ça! Tu veux porter mon collier? Moi? Bien sûr! Ça te va bien! C'est génial! C'est parti! Ça a l'air plutôt cool. Qu'en est-il de cette vente? Oh! Qui sait? Non! J'ai un rendez-vous ce soir! Je dois me préparer! Tout d'abord, les vêtements. Oh, non! Je les porterai. Oh non! Pas une tâche! Mais c'est ma meilleure paire! Qu'est-ce que je suis censée porter maintenant? C'est moi ou ça ressemble à un papillon? Je peux peut-être l'améliorer! L'heure des papillons! Mignon! Maintenant, je vais le coller sur ce bloc. Vite, avant qu'il ne sèche! Peignez maintenant le papillon. J'ai choisi un noir profond. Maintenant, avant qu'il ne sèche, tamponnez-le sur le tissu. Ajoutez-en autant que vous le souhaitez. J'aime beaucoup! Couvrir les impressions avec du papier ciré et passer un fer à repasser dessus. Après avoir fait cela pendant un certain temps, vous avez terminé! C'est mignon ou quoi? Et personne d'autre ne les a. C'est tellement unique! Ok, je suis prête! 2004, 2005... Hein? Mademoiselle Ellie, vous avez un message. Vous pouvez vous approcher. Merci. Bonjour. Un rendez-vous? C'est une urgence! J'ai besoin de mon parfum de luxe. Oh, mon sac! Oh! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'est pas vrai! Oh, dois-je annuler? Oh, hé, je ne peux pas venir. En fait, ce n'est pas grave. C'est parfait. Commençons par couper le long de cette couture. Mettez ensuite de la colle à tissu à cet endroit. Le plier et le serrer. Une fois qu'il est sec, percez deux trous et installez ces pièces métalliques. Veillez à ce qu'il soit bien serré. Vient ensuite la chaîne en or. Enfilez-la jusqu'au bout. Et fermez-la. Comme c'est mignon! Tout est fait! Maintenant, c'est ce que j'appelle un heureux hasard. C'est beaucoup mieux! Le rendez-vous est officiellement fixé! J'ai failli oublier! «
Waouh, cet endroit est vraiment génial! Comment bien commencer le week-end? Tu penses à ce que je pense? N'en dis pas plus, je sais! Génial! Salut, mec! 2 mini cheesecakes! Je vais les prendre avec ma carte. Ça ne passe pas ici. Celle-ci alors? C'est bon! Merci! Et voilà le dessert! J'ai pris ton parfum préféré! Grace? Hein? Oh, salut! Je peux savoir ce que tu fais? Oups! Désolée! Bon, puisque je suis là... Je n'arrive pas à croire que Jake m'ait laissé tomber! Oh, ça ne va pas se passer comme ça! C'est hors de question! Il faut que je me démarque! Voilà, comme ça. Encore un peu. Maintenant, laissons la magie opérer. Je fais un double nœud pour ne pas que ça bouge. Puis je rentre les bords à l'intérieur. Et je fais glisser le t-shirt sur mes épaules. Je replie un peu les manches, si elles sont trop longues. Alors qu'est-ce que tu penses de ce top? Pas mal, hein? C'est carrément tendance, pas vrai? Jake! Tu es toujours occupée à ce que je vois. Ce n'est pas grave, je vais attendre. Grace? C'est toi? Ta langue va bientôt toucher le sol. Hé! Et moi alors? Je déteste mes fringues. Je parie que je peux le faire aussi. Oh! Waouh! Ouais, ça fait toujours cet effet. Est-ce que je peux t'offrir un café? Bon, il est temps de se mettre au lit, nounours. Nous avons une longue journée devant nous. Yo! Qu'est-ce qui se passe? C'est plus clair? Oh oui, rock'n'roll! Wouhou! C'est super! Tu as bien progressé à ce que je vois. Wow! Un concert privé dans ma chambre! Je n'en reviens pas, on dirait un vrai pro! Wouhou! Yeah! On va tout casser! Ouais! Rock'n'roll! Waouh! Tous ces nounours! Bon, eh bien, ils ne tomberont pas plus bas! Hors de question de gâcher les nounours bleus! Stacy? Non! Quoi? Attends, ne te fâche pas! Mais, c'est... Mais, bon, oh non! Ah! Ce n'est pas juste! Oups, est-ce que ça fait de moi un méchant? Yeah! Tu vois ce cercle en caoutchouc? Place les oursons à l'intérieur! Mets-en tout autour! Une fois que c'est fait, verse de la résine transparente par-dessus. Doucement! Il faut bien recouvrir tous les oursons. Une fois terminé, on obtient un joli bracelet. Rock'n'roll, baby! Oh, c'est pour moi? Donne-moi ta main! Et voilà, comme ça, tu auras toujours tes oursons avec toi. Trop cool! Wouhou! Merci, grand frère! Check, ma sœur! Cool! Encore une chose! Quoi? J'ai cette chemise géniale qui va avec! C'est pour moi? Yeah! T'es trop stylé, grand frère! Il n'y a que les vrais hommes qui portent du rose. Salut. Je suis venue pour l'entraînement. Dans cette tenue. C'est inacceptable. Va te changer. Me changer? Mais c'est tout ce que j'ai. Tu sais lire. Hein? Oh, je dois mettre une tenue de sport? Moi. Je reviens! J'aime le succès! Et voilà! Est-ce que tu vois de la glace quelque part? Tu m'as dit de mettre une tenue de sport! Attention! Est-ce que c'est mieux? Non! Non! Et non! Oh! Cette fille n'est pas croyable! Ouf! Et maintenant? C'est bon? Je ne suis vraiment pas assez payée pour ça!
Et là, c'est bon? Non! Sérieux? Oh yeah! Allez, on se bouge! Waouh! Non! Bon, cette fois, c'est sûr que c'est bon! Non! Et là, c'est bon? Je perds patience! Reste calme! Mais tu ne comprends pas ce que je te dis! Pas besoin de crier! Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Les objets trouvés? Mais bien sûr! Est-ce qu'il y a au moins quelque chose d'utile là-dedans? Non. Allez! Ah, voilà! Il faut juste que je fasse quelques modifications. Prends une paire de ciseaux et découpe de base en haut, comme ça. Jusqu'à la moitié. Ensuite, retourne-la. Et tada! Tu as deviné? Il n'y a vraiment rien de plus simple. Génial! Une brassière de sport! Waouh, ça déchire! Je l'ai faite moi-même. J'aime beaucoup ton style. Merci beaucoup! Oh, il faut que j'y aille! Je suis prête! Ça vous embouche un coin, hein? Je ne vous jette pas la pierre. Allez, au travail! 1, 2... Oh! Déjà? On n'a même pas commencé! Salut toi! Je te présente Gina! Waouh! Je suis tellement nerveuse! Et voici Grace! Ah ah! Bonjour à tous! Tu es prêt pour le vote? Alors selon toi, lequel de ces deux looks est le meilleur? Dis-le-nous en commentaire! La vie est pleine de situations stressantes. Pas besoin d'y ajouter des problèmes de vêtements et de chaussures. Ne t'inquiète pas, nos astuces sont là pour ça. Salut Lily. C'est le moment idéal. Je ne pouvais pas oublier l'anniversaire de ma meilleure amie. C'est trop gentil, Lily. Ouvre-le. J'adore la couleur. Il est super joli. Merci beaucoup. Tu l'essayes? Oh, il est trop stylé, non? Et je crois qu'il est assorti à ma gourde. Oh non! Mon cadeau vient de craquer? Oh là là! Tout va bien? Heureusement, elle n'a pas entendu. Ah! Je crois que j'ai une idée! Je reviens dans une minute, ok? Pour commencer, plie ton jogging comme ça. Et coupe-le vers le haut, de cette manière. Déplie ton jogging et place-le à l'envers. T'en penses quoi? Waouh! Joli haut! Ça me dit quelque chose. C'était pas le jogging, n'est-ce pas? Oh, ça fait des années que je n'ai pas transpiré comme ça. J'avais laissé mon t-shirt ici, non? Lana, t'as pas vu mon t-shirt? Je suis sûre de l'avoir posé ici. Quelqu'un me l'aurait piqué? J'aurais bien besoin d'un t-shirt. Ça coûte rien de regarder. Il y a beaucoup de choses ici. Le premier vêtement? Mais qui porte un truc pareil? Oh, je veux pas savoir. Je suis canon en rouge, non? Je n'en suis pas si sûre. Lana? C'est pas une chemise d'homme? Non, c'est chelou. Et maintenant? Si je me servais de mes élastiques? J'ai une idée! Accroche tous les boutons comme ceci. Ça va créer un effet plissé. Et retrousse les manches. Lana? Quoi?
Waouh! On dirait pas du tout la même chemise. Je vais te dire mon petit secret. J'espère que tout le monde porte des chaussures de soirée. C'est à qui ça? C'était vraiment un accident! Oh, ces chaussures sont trop grandes pour moi! Oh, c'est facile à arranger! C'est pour quoi faire le foulard? Attends et regarde, ok? Place-le sous la semelle de ta chaussure, puis enroule-le autour de ta cheville. Serre bien et fais un joli nœud! Parfait! Et super mignon! Regardez mes nouvelles chaussures de soirée! Maintenant, on peut faire la fête en sécurité! Prête pour notre séance de yoga? Et c'est parti! Ça ne devrait pas être trop difficile, n'est-ce pas? Ça se force un peu! Mais on est des pros! N'oubliez pas de respirer! Et maintenant, étirez votre buste! Comme ça, c'est beau! Et à nouveau! Ce t-shirt est beaucoup trop grand! Allez, reste en place! Oh, ça me chatouille le visage! Tout va bien, Betty? Bon, chacun son truc! Ça suffit, je n'en peux plus! Ce t-shirt n'est pas du tout fait pour le yoga! Mais je peux peut-être faire quelque chose. Prends les deux extrémités, croise-les et fixe-les l'une dans l'autre. Ta-da! Hé, tu fais quoi ton t-shirt? C'est joli! Oh, une nouvelle posture! Ça, c'est de l'amélioration! Et maintenant, trouvez votre alignement! À bientôt, mes yoginis! Une journée parfaitement ordinaire peut se transformer rapidement en cauchemar! Oh là là! Eh ben bravo, Betty! C'était un t-shirt tout neuf! C'est pas possible! Attends une seconde, Lily! Tiens juste ça, s'il te plaît! Et je fais quoi maintenant? J'ai pas le temps de me changer. À moins que j'utilise une petite astuce. Déplie l'écharpe extra large et enroule-la autour de ta taille. Utilise un élastique pour attacher le tout. Serre bien pour que cela ne bouge pas. Une fois que c'est accroché, attrape les deux coins arrière. Et noue-les à l'aide des franges autour du premier nœud. Une fois que c'est fait, place le nœud dans ton dos. Et enfile les manches que tu viens de créer. Et voilà! Tu as un nouveau haut tout beau, tout neuf! Allez, il faut que j'aille en cours! Ah, j'avais besoin de cette journée de repos. Je ne sais même plus quelle heure il est. Mon téléphone! Il vient me chercher dans 5 minutes? Je ne peux pas vraiment y aller comme ça. Oh, plus négligé, tu meurs. Est-ce que celui-ci est propre? Non, absolument pas. Et celui-là? Le rose, c'est toujours une bonne option. Je crois que c'est bon. Quoique... ça ne me met pas du tout en valeur. Il est 10 fois trop grand. Mais je vais me débrouiller. On va le rentrer dans le pantalon. Au moins, ça marque la taille.
mais peut-être trop... Regarde ce que fait tout ce tissu! Oh là là! Il me faut une autre idée! Roule le bas de ton t-shirt comme ceci. Continue jusqu'à ce que tu arrives ici. Et rentre-le avec précaution. Plus de bourrelets de tissu! Et à la place, un joli ventre tout plat. Nous sommes tous parfois très occupés, mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous amuser avec la mode. Allez, saute! Waouh! Ça, c'est ce qu'on appelle un saut dans la mode. Quand il s'agit de vêtements, laisse tomber les cours, on va s'amuser un peu. Hé! Hey, donne-moi ton argent! Non! Regardez-moi cette meuf! Oh! J'ai une poussière! Dans l'œil! Ça fait mal! Ce sac est à moi! C'est parti! Ha! Ouf! C'est mieux! Ne te retourne pas! C'est bien! Reste distraite! Et... Hop! Trop lente, mademoiselle! Je ne pense pas, monsieur! Oh non! Je vais tomber! Oh! Je n'avais pas pensé à ça! Pardon? Ce crétin a détruit mon sac de créateur! N'appelez pas la police! J'arrive pas à y croire! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Regardez mes affaires, elles sont toutes sales. C'est pas de chance. Mon foulard. On dirait qu'il est encore en bon état. Je crois que je peux en faire quelque chose. Un nœud ici. Et un autre à chaque coin. Voilà. Ça fait une sorte de petite poche. Maintenant, je relie ces deux-là. Un double nœud sera même meilleur. Et voici des poignées. On dirait un sac tout neuf. Parfait pour ranger temporairement mes affaires. Il est même plutôt mignon, pas vrai? C'est pas un petit voleur qui va me gâcher la journée. Oh! C'est pas bientôt fini! Oh, ça va aller? Quelle chochotte! J'ai presque fini! Très bien, voilà! C'est fini? Trop bien! On dirait une vraie rockstar! J'ai hâte de le montrer à tout le monde! Oh, ce pull cache la vue! Je refuse d'avoir autant souffert pour rien! Un pull? Erreur de débutante. Est-ce qu'un nœud fonctionnerait? Je déteste ce truc! À moins que... Je peux enrouler ma manche pour maintenir le tissu relevé. Je n'ai plus qu'à remettre mon bras de cette façon. Comme ça! Comme ça! Il ne descend plus aussi bas. Ma coolitude vient de monter d'un cran! Contente que ça te plaise, gamine. Merci, vilaine tatoueuse. Je veux dire, c'est cool. Oui, je suis trop heureuse. Waouh, oula, ça n'a pas l'air bon. J'en ai vu assez. Vous êtes méchante. Au revoir. Voyons, Emma... Oh, j'espère que je ne vais pas vomir. J'arrive! La compétition s'annule dur, hein? Je dois la sortir de la course. Je bois simplement mon café. Oups! Quelle maladresse! Hé! Mais ça va pas?
Oh, je suis si confuse. Je ne peux pas me présenter comme ça. Je ne peux plus porter ça maintenant. Oh. Ma tenue est fichue. Sauf si je fais un petit ajustement. Réfléchissons. Je peux utiliser ma bretelle pour changer la forme de mon top. Vous voyez comme ça change tout? Avec juste un peu d'imagination. Waouh! Où a-t-elle trouvé ce haut? Sa tenue est plus belle que la mienne! Oh non! Ouais, je ne serai jamais mannequin! Oh, respire! Bonne chance! Allez! Eh, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Je ferais mieux de me rapprocher. Ils la prennent? Oh! Le casting est terminé! Qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez appeler un taxi. Est-ce que ça vient vraiment de se passer? Oh! Ces accords me touchent profondément. Hein? Une autre soirée à thème? C'est incroyable! Où en étais-je? Ah oui! Aloha, Betty! Prête pour la soirée hawaïenne? Oui, bien sûr! On peut y aller! Tu ne vas pas porter ça! C'est une fête, pas un enterrement! Ben quoi? Tu vas faire fuir tous les invités! Quelques fleurs devraient régler le problème. Aloha! Suis-moi. Ce sont nos seules options? Intéressant. Il fait froid à Hawaï, non? Je plaisante. Je crois qu'on va rester à la maison. Saleté de fleurs! Je me sens un peu mal, du coup. Hé, Bella, salut! Quoi? Ok, ça va. Tu me pardonnes? Tu sais que je ne peux pas rester en colère. Un t-shirt rose? Il était sous notre nez pendant tout ce temps! Attrape! Ça? Ok. Il ne m'ira sûrement pas. Tu vois? Il a un énorme trou! Ce n'est pas un problème. Tu as un t-shirt troué? Plus maintenant. Maintenant que tu l'as découpé, nous avons de quoi travailler. Regardez comme c'est mignon. Utilise le surplus de tissu pour faire de jolies franges. Fais un nœud comme ceci. Tada! Waouh! C'est même assez mignon en fait. Bien joué! Je suis vraiment douée, n'est-ce pas? On y va? Tu es sûre que ça rend bien? Ah! Oh, c'est moi? Je vais changer de vêtements pour arranger ça. C'est mieux, tu ne crois pas? Rien de tel qu'un bon changement de tenue. Hé, comment Jake a fait ça? Je me demande si je peux le faire moi aussi. Tout ce que j'ai à faire, c'est tomber sur le lit, non? Ah! Ces chaudes journées d'été ne sont pas une blague. Je transpire comme une dingue ici. Pourquoi je n'ai pas pris un appartement avec l'air conditionné? Ouf, c'est mieux. De qui je me moque? Je suis en train de fondre. Ok, je peux surmonter ça. Mais j'ai la gorge toute sèche maintenant. C'est comme un désert dans ma bouche. Attends, j'ai un jus bien frais dans le frigo. Cette boisson va me sauver. Oh, quel soulagement. C'était quoi ça? Un clou? Comment il est arrivé là? Ce débardeur est tout neuf en plus. Je n'ai vraiment pas de chance. Mais peut-être que je peux arranger ça.
Il faut juste un peu d'ingéniosité. Tu as abîmé ton débardeur? Découpe-le tout simplement. Coupe en ligne droite au-dessus du trou. Puis retire la partie supérieure et coupe la bande comme ça. C'est parfait. Maintenant, utilise-la comme nœud pour ton haut. Passe-la à travers et fais un nœud. Assure-toi qu'il soit bien serré. Plutôt mignon, non? Et parfait pour ce temps chaud. Je me demande où est mon rendez-vous. Pas grave. Comme ça, j'ai le temps de prendre une petite photo de cette adorable tenue.